Moi, je sais pourquoi je suis élu. Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 ne croient plus aux politiques. Moi, j'ai été élu député grâce aux gens de Lunel. La priorité, c'est Lunel. 25 000 habitants, 12 minutes en train, j'espère bientôt qu'il sera 1 euro, très près de Montpellier. Montpellier, c'est pas un ogre. De toute façon, on a tout le temps de savoir qui pèse quoi et combien mesure une collectivité. Et effectivement, la ville de Lunel, sa régie de territoire, une des premières de France, sera un exemple pour les quartiers de Haut-de-Massagne, ce qu'on appelle la Monceau, mais que j'appelle toujours la Paillade, pour essayer de voir ce que l'on peut faire ensemble. La priorité, c'est l'emploi. Après, c'est l'emploi, et après, c'est l'emploi. Je suis socialiste, je suis de gauche, j'ai voté le mariage pour tous. Je viens de voter aussi quand souvent conjoint ou conjointe, mais souvent conjoint ou mari quittent leur femme et ne payent pas les pensions alimentaires. Comment on peut aujourd'hui avoir 45% de jeunes qui rouillent au bas des immeubles? Ce n'est plus possible. La France est la 5e puissance. On est riche en France. Donc moi, je suis vraiment ravi d'être là ce matin. Et je suis rentré plutôt de Paris, je tenais à y être. Pourquoi? Les emplois d'avenir, et je remercie donc le Pôle emploi, la MLI. Je remercie bien sûr votre régie, mais il faut aller plus loin encore. Il faut être ambitieux, il faut être audacieux. La formation, la région avec la banque publique d'investissement, il faut que les jeunes se forment. La vie, c'est de la rencontre. Et je pense que cette régie de territoire, sur son président, son directeur ou ses partenaires, prouve que c'est avec la rencontre qu'on réussit. Et je pense qu'il faut effectivement savoir que le potentiel, je m'adresse aux jeunes qui vont signer le contrat d'avenir, vous l'avez ce potentiel. Et vous l'avez jamais exploité. Donc moi je le dis aux jeunes, faites des rencontres. Et je suis ravi de voir dans cette régie qu'il y a du tutorat. Je suis ravi. Vous savez, je disais toujours, les cheveux blancs au service de la jeunesse. Cette société, elle divise. De plus en plus, elle divise. Elle divise les castes, les quartiers de riches, les ghettos de riches, les ghettos de pauvres. J'y crois plus au vivre ensemble. J'y croirai le jour où on mettra les conditions de vivre ensemble. Les années, on s'est dit, c'était Sarkozy au pouvoir, on disait, les problèmes, c'est la police. C'est plus comme ça, chers amis. Aujourd'hui, c'est l'éducation. Après l'éducation, c'est la médiation. Et après, c'est aussi la répression. Ça suffit maintenant. Il y a de l'excellence. Il y a de la recherche en France. Il y a de l'entreprise. Donc moi, je vous transmets ce message. Et je m'adresse aux 6 jeunes qui vont signer et aux autres présents. Qui ose gagne et rien ne résiste à la puissance de l'entraînement. Merci de m'avoir écouté.